Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui je vous propose, c'est du sauté de poulet au riz et à la tomate. Ici vous avez 400 g de sauté de poulet, 100 ml de vin blanc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on rajoutera 2 cuillères à café de concentré de tomate. Là j'ai coupé un oignon en morceaux. Ici vous avez 300 g de riz, c'est du riz incollable, vous pouvez en mettre plus, hein, c'est en fonction de vos mangeurs. Et puis là je mettrai un cubeur. Ensuite du curry, du sel, ça c'est selon votre convenance, le poivre également. Là j'ai une boîte de pulpe de tomate. Et puis il nous faudra de l'eau bien sûr pour recouvrir tous nos ingrédients. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, dans un premier temps, se mettre en mode manuel et en mode doré. Et puis, tout simplement, on va mettre l'huile dans la cuve. On attend que l'huile soit chaude. Ah, je n'ai pas encore atteint la fin du préchauffage, mais j'ai mon huile qui est très chaude. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer à faire revenir mes oignons. Quand mes oignons commencent à dorer, je vais ajouter mes sautés de poulet. Je vais saupoudrer avec mon curry. Alors le curry, hein, c'est pas une obligation, hein, c'est en fonction des goûts de chacun. Je vais pouvoir ajouter mon riz. Je vais verser mon verre de vin blanc. Je vais ajouter ma pulpe de tomate. Allez, un petit coup de poivre. Pour le sel, moi je dirais que j'attendrai le moment de déguster. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de l'eau pour recouvrir mes ingrédients. Voilà. On regarde si tous les ingrédients sont recouverts. Je vais rajouter un tout petit peu. Ensuite, je vais émietter mon cubeur. Voilà, je mélange et puis je vais programmer ma cuisson. J'ai toujours pas atteint la fin du préchauffage, c'est pas bien grave. Je vais arrêter la fonction dorée, je passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Alors moi ce que je fais, là je vais me baser sur le temps de cuisson du riz. Je regarde sur le paquet de riz le temps indiqué, je divise par deux. Moi c'était un riz long, hein. Donc là c'était un riz 20 minutes, je vais mettre 10 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. Je peux fermer le couvercle. Allez, on se revoit tout à l'heure à la fin de la cuisson. Allez, la cuisson est terminée, j'ouvre mon couvercle. Allez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon concentré de tomate. Je mélange. Mélanger, il n'y a plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour notre recette au cookie.